Briser les vieilles croyances. Tiré de la lecture numéro 10370 du maître spirituel coréen Chong-gong. Brisez toutes vos croyances. Vous devez briser les chaînes qui vous lient au Dieu. Vous n'avez pas besoin de croire en notre Père céleste, en Jésus ou même en Bouddha. Vous devez briser les vieilles croyances sur tout. Et vous n'avez même pas besoin de croire en vos parents, en vos amis ou en vos enfants. Il n'y a personne au monde en qui vous devez croire. Et alors, que devons-nous faire? Que nous reste-t-il? La connaissance. Il faut connaître. Il est important de savoir et de le faire de manière cohérente, de ne pas croire, savoir qui était Jésus, qui était le Bouddha. Vous ne devez pas rester dans l'ignorance en continuant à vous incliner devant les figures de ces divinités. Lorsque vous entrez dans la vraie connaissance, vous pourriez disposer de l'énergie que ces personnages peuvent vous transmettre, de leur force. En y restant aveuglément accroché, au contraire, vous ne resteriez que des ignorants. Lorsque vous saurez enfin qui était vraiment le Bouddha, ce qu'il a fait, ce qu'il a donné au monde de son temps, vous ne continuerez plus à louer son image. Vous pourriez plutôt utiliser sa sagesse et en jouir. Vous devez également connaître, de façon cohérente, vos propres pères, vos fils et les amis. Il est nécessaire de connaître leur être véritable, en évitant de vanter à tout le monde leurs qualités et leurs talents. Croyez seulement en vous-même. Remplissez, ou au moins, préparez-vous à combler les trous, les lacunes générées par vos oublis, en faisant du bien à tous ceux qui vous entourent. C'est ça, Bouddha, et ce sont les Hongik Ingan. La société et l'humanité est en arrière jusqu'à vos ancêtres. Il faut que vous rendiez le bien de tous. C'est ainsi que vous serez vous-même le Bouddha. Alors, demandez-moi tout ce que vous ressentez le besoin de savoir, car vous n'avez pas été éduqué dans ce domaine. Je parle de moi. Je suis le dernier ascète venu sur terre. Ce que je vous dis est vrai et authentique. Après 17 ans d'apprentissage de la nature, de retour dans la société, cette société, j'ai dit que je répondrai à tout ce qui concerne le ciel et la terre. Nous avons grandi grâce au sacrifice de nos ancêtres et avons évolué jusqu'à aujourd'hui. En faisant du bien à la société, nous obtiendrons le respect de notre prochain et honorerons le travail et le sang de nos ancêtres. Nous n'aurons plus besoin d'un corps pour retourner sur Terre. Nous avons atteint ce seuil d'évolution et de croissance après d'innombrables réincarnations au cours de notre passé. En 2013, avec l'avènement de l'ère des Wushong Shidei, un nouveau monde s'est ouvert. Donc, ne soyez plus esclaves de votre travail et ne cherchez plus la vérité en mendiant au ciel.